et messieurs, bienvenue à un autre programme principal. Aujourd'hui à l'émission, on se trouve au restaurant Le Fréchi de Rouyn-Noranda. S'il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est comme du fast-food, mais santé. Donc, il y a tout ce qu'il y a sur les murs, dans des salades, dans des burritos. C'est extraordinaire. Je viens souvent, ce qu'explique ma chef de semi-dieu grec. Aujourd'hui à l'émission, vous allez entendre un petit brrrr de frigidaire. C'est la vie. Tout est frais ici, donc tout est réfrigéré. J'espère qu'on va être assez intéressant pour faire oublier ces bruits-là. On reçoit à l'émission Gabrielle Bélanger. Alors, Gabrielle est une diplômée du programme de sciences humaines du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, évidemment. Coucou, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle est aussi mon amie, donc ça se peut qu'on soit tannant. Okay. Salut, Gabrielle. Salut. Donc, je suis venu te chercher en tant que diplômée en sciences humaines. Ça n'a pas été trop dur de te trouver. J'ai appelé dans un local de prof. Et évidemment, la plupart des enseignants ont un diplôme d'études collégiales en sciences humaines, dont toi. Oui, exactement. Pourquoi la petite Gabrielle, d'il y a quelques années, a décidé de s'inscrire en sciences humaines après secondaire 4-5? Avais-tu une visée précise à ce moment-là? Très indécise, très perdue. Besoin de poursuivre un peu l'espèce de généralité de l'apprentissage. Mm-hmm. Sciences humaines me semblait le bon lieu pour le faire, surtout peu de mathématiques, justification d'un certain choix. Je suis avec toi. Puis, sciences humaines, là, possibilité d'emploi dans un domaine social, je me disais que c'était une bonne route à suivre. J'étais très limitée aussi, je pensais qu'il existait sciences humaines, sciences nature. La voie était pour moi dans mais sciences nature, si tu n'aimes pas les mathématiques. Voilà. Moi, ça s'est arrêté en physique de secondaire 5, cours 3. Je me suis dit, ce sera pas ça. Donc, une jeune fille, un jeune homme qui est en secondaire 4 et 5 est complètement consciente que moi, tout ce qui est l'univers mathématiques, je ne serai pas ingénieur. Tout ce qui est l'univers des sciences, et etc., j'aime pas ça tant que ça. Donc, toi, tu savais juste, dans le grand univers du social, voilà, je vais faire quelque chose avec le monde. Je pense que c'était évident que tu allais travailler avec le public. Oui. Donc, tu t'es dit, je vais aller en sciences humaines. Et après, on regardera ça dans ces milliers de possibilités. Élargir les horizons. Tu sais, me laisser un espèce de 2 ans de plus pour explorer. Mm-hmm. Tout en poursuivant mon parcours scolaire. Tout en allant ça. Oui. La marche entre le secondaire puis ta science humaine, ça a-tu été un petit peu... Une grande surprise quant à l'indépendance qu'on nous demandait, perdu dans un peu de tout. Donc, perdu un peu dans fais-toi-même ton horaire et tes trucs. Fait que c'est sûr que la première session a été l'adaptation. Mais des profs extraordinaires aussi là, au cégep, très passionnés, qui ont permis là, de. C'est-tu des profs ou des cours? Parce que, tu sais, on a des cours de sociaux, de psycho, C'est-tu un cours à un moment donné qui t'a hooké ou c'est un enseignant qui t'a fait « c'est ça que je veux faire » comment? C'est secondaire, en fait, mais les cours d'histoire, le volet plus... j'aimais vraiment pas le volet humain, là, la psychologie, ça m'intéressait pas, mais après ça, la géo avec Geneviève, je crois, son nom, qui avait énormément voyagé. Ça m'a bien quoi inspiré de plus prendre cette tangente-là. C'est toi-même, après ça, tu es allée voyager. Oui. Grande inspiration, même grande copieuse de cette personne. C'est le temps de faire ça, le cégep. Tu pars avec ton pack-sac et tu rencontres des gens. C'est ça. Ouais. Puis après ça, c'est ça. Profil monde, plus histoire, curiosité de ça. J'aimais beaucoup plus ce volet-là. Ce volet-là. Ouais. Moi aussi, j'hésitais. J'ai fait moi aussi une science humaine. Et la question, moi, c'était, je m'en vais-tu, prof d'art dramatique ou prof d'histoire? Ouais. Je me voyais avec le veston brun et les patchs ici, le vieux prof d'histoire. Savoir les références qui nous passent sous le nez d'habitude parce qu'on n'est pas au conseil. Mais moi, j'étais bien impressionnée de leur connaissance, de savoir que... Je me souviens que le prof d'histoire avait dit que les 4 Tortues Ninja étaient 4 peintres. J'étais bien renversée de tout ça. Je trouvais que ça joignait culture, ouverture sur le monde. Oui, curiosité de l'autre aussi. Tout à fait. Y a-tu des activités, du parascolaire que tu t'es impliqué, des voyages, des
comme moi, j'étais dans la troupe de théâtre, on a fait un voyage international à un certain moment. Est-ce que tu t'es impliqué ou tu étais vraiment en mode, moi, je fais mes études, je clenche ça pour aller à l'université après? J'étais en mode bien conséquente avec ma personnalité, très, je sais pas trop où. Par contre, premier voyage toute seule à l'étranger, à New York, là, on dira, c'est pas le bout du monde, mais toujours bien une porte vers ça. Et je me souviens le débarquer du bus, puis l'enseignant qui dit « Vous êtes à Central Park, faites ce que vous voulez. » Puis c'était vraiment comme mon la première Dieu, fois que j'étais un peu comme moins adulte, là, responsable de mon sac et autres. Ça m'avait vraiment comme plu. Puis ils le font encore aujourd'hui. Oui. Moi, Louis Riopel qui est avec sa gang, il dit « Allez-y! » Puis Nune qui est resté collé sur lui tout le long du voyage, puis il a fait « Ouais, mais c'est ça, comme c'est coupure ça. Entre l'adolescence enfantine et je prends ma voix, là, ça a été comme un peu à Central Park à ce moment-là, de fais bien qu'est-ce que tu veux. Mais il y a ça en ce moment-là, l'indépendance qui se développe dans ça, les cours de français, de philo, donc tu as dû triper un petit peu dans tes cours de littérature en ce moment-là. Oui, c'est pas pareil. T'sais, au secondaire, on apprend à écrire. Au cégep, moi je crois, en tout cas c'est là que moi j'ai découvert la littérature, que j'ai commencé à lire pour de vrai. C'est ça, on apprend à lire. Se sentir extraterrestre, un peu de triper autant, je pense, et en secret de trouver ça fantastique. Littérature 3, je pense, avec Sophie Jalbert, qui par la suite est dans ma famille maintenant, mais... C'est un accident. Ben oui, mais en fait un super accident de recroiser cet humain-là qui est fantastique. Oui. Dans ses yeux, dans sa façon de transmettre les textes. Littérature du terroir, québécois cette fois-là. Okay. Puis elle nous avait fait analyser une chanson de Richard Desjardins, puis je me disais, je peux pas croire que je l'ai entendue sans l'écouter. Donc, c'est à travers ces cours de littérature-là ou de français que tu t'es dit, moi, c'est ça la voie que je veux prendre par la suite. Donc, c'était clair dans ton esprit après que tu voulais faire un bac en enseignement du français ou il y a eu un petit peu de tergiversation encore? Je pense que c'est le propre des gens en sciences humaines d'être dans le domaine humain. Oui. Mais oui, grand désir de valoriser ça, la lecture, de se donner le droit d'aimer des choses qu'on pensait pas. Je voulais aller dans un métier qui aidait, mais le domaine de la santé, c'était vraiment pas ma place. Là. Non, vraiment pas. Travail social non plus, je pense que je suis trop empathique. Fait que, tu sais, l'enseignement était comme l'espèce de ramasser de tout ça. Oui, t'es payé pour apprendre aux gens comment écrire et. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose de beau dans ça. C'est ça. Fait que ça a été comme la suite des choses, inscription dans le bac en enseignement français, de par l'amour des mots. Puis t'étais-tu satisfaite de ta formation quand t'es arrivée à l'université? As-tu eu l'impression de je suis pas prêt ou t'as dit t'es arrivée là solide? Grande continuité de ce chemin-là. Donc, si vous avez un intérêt marqué pour les sciences humaines, évidemment, donc psycho, sociaux, l'enseignement, tout ce qui peut vous amener à travailler avec l'être humain, que ce soit pour lui enseigner, pour l'aider, pour l'analyser, les sciences humaines et le domaine qu'il vous faut. Donc, si vous ne tripez pas mathématiques, physique, chimie, vous allez dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous recommande. Et ce qui est intéressant avec les sciences humaines, évidemment, c'est le nombre de portes qui, par la suite, sont ouvertes à l'université. Il y a des milliers de programmes universitaires que vous pouvez aller par la suite. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme de sciences humaines, je vous invite à vous rendre sur le site du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Une fois que vous êtes là, futurs étudiants, programme préuniversitaire, sciences humaines, clique, il va y avoir toute l'information sur le programme. Il y a une adresse courriel si vous voulez avoir plus d'informations, peut-être rencontrer quelqu'un pour savoir si c'est le bon programme pour vous. Sur ce, merci beaucoup d'avoir assisté à ce programme principal. Merci Gabrielle. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci.